Ah, tout d'abord, je vous remercie. Waouh. Ce qui a fait tout cela, franchement, on a perdu ce match. Mais vous savez très bien que ça, ce n'est pas l'UGB. On a perdu 4 de nos meilleurs éléments qui ne sont pas dans le terrain, qui étaient blessés. Et durant tout le match, vous avez vu qu'on a en premier mi-temps, elles ont joué en fond, elles ont joué en équipe. Et on a su être devant durant tout le match. Mais durant tout le match, on sentait que les arbitres faisaient la différence. Mais en deuxième temps, ça s'est beaucoup senti. Franchement, je déplore. À chaque fois, quand je viens à Dakar, vous remarquez, j'ai toujours des blessés très graves. C'est à cause. Et ne siffle pas de foot, il siffle tout le temps. Non, 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 on ne l'a pas vu. Mais ça, on ne peut rien faire. Et or qu'ils ne le font pas dans les jeux. Ce qui désigne les arbitres, il faudra qu'ils le voient carrément. Parce que je n'ai pas l'habitude de salir la victoire de Bob. Elles ont très bien joué, elles ont très bien réagi. Mais ça, vraiment, je ne suis pas d'accord là-dedans. Mais on fera avec, parce qu'on va essayer de récupérer d'ici 3 à 4 matchs, on va essayer de récupérer tous nos blessés et tous nos titulaires pour remonter encore. On est là pour le maintien. On m'a dit de reconstruire. Et on reconstruit dans de très bonnes manières. Parce qu'à ce moment-là, on devait gagner ce match. Mais ce n'est que partie remise. On fera avec, Inch'Allah. Ah, mais y a presque. On est devant 4 équipes qui sont très derrière nous. Et nous savons très bien que pour gagner, pour se maintenir, il faut gagner. Ces équipes-là, quand ils viendront à Saint-Louis, on va les battre, ça c'est sûr et certain. Parce que ça, toutes les équipes le savent maintenant, là, c'est l'enfer de Saint-Louis. Et si on récupère nos blessés, on fera avec et on remontera la pente, Inch'Allah.